2012 par le biais de l'INSEA. André Angois, ISE 2008, Actuaire, présentement en fonction en tant que directeur technique à Sumo IAD ici en Côte d'Ivoire. Je suis Judicaël Eliké, de la promotion ITS 2001, baptisée l'opérationnalité. Je suis Gomez Abou, je suis ingénieur stagiaire économiste de la promotion 2007 de l'INSEA Abidjan. Je suis présentement économiste au Fonds monétaire international, en charge du Ghana et sur les questions budgétaires. Ma vie active a commencé au sein même de l'INSEA avant de me retrouver dans le secteur privé et ensuite aujourd'hui dans l'administration publique. Alors, durant ma petite expérience, ce que j'ai pu remarquer dans le cadre des collaborations effectuées avec les partenaires nationaux et internationaux, c'est qu'au-delà même des différents cycles de formation que propose l'INSEA, il faut dire que l'INSEA c'est un label qui nous précède partout où nous allons et il nous appartient, n'est-ce pas, de porter ce label-là. Pas seulement pour nous, mais aussi pour d'autres générations après nous. Alors, quoi de plus intéressant qu'un cadre formel de collaboration entre cette belle institution, n'est-ce pas, et les anciens de l'école. Alors, c'est en ce sens que je salue ce séminaire qui est organisé avec les anciens pour réfléchir, n'est-ce pas, autour du développement de cette belle école-là. Je puis dire que l'INSEA, l'école qui nous a tous formés, est l'une des meilleures institutions de la Côte d'Ivoire, de la sous-région, j'allais dire du monde, parce que cette école nous a donné les outils pour pouvoir être des acteurs de développement internationaux, ainsi que des acteurs qui sont capables de faire face à tous les défis actuels du monde. Donc c'est avec réel plaisir que je prends part à cette vidéo institutionnelle, et pour nous, il est plus qu'important que tous les anciens se réunissent pour pouvoir donner un coup de main à l'école qui nous a formés afin de faire de celle-ci l'une des meilleures du monde, comme on le voit à travers le réseau des alumni des grandes institutions que connaît la planète. Comme vous le savez, l'INSEA depuis des décennies forme des hommes et des femmes qui contribuent dans le secteur public, dans le secteur privé, dans la société civile, dans les organisations internationales, en Afrique et dans le monde, au développement de l'endroit qui constitue la communauté des humains. Et pour cette raison, l'INSEA, l'administration de l'INSEA, soutenue par les anciens, a considéré qu'il fallait mettre ensemble tout ce savoir-faire, mettre ensemble tous ces contacts, mettre ensemble toutes ces connexions, afin de pouvoir accroître notre impact en Afrique et dans le monde. Je voudrais aussi dire que cet appel s'adresse à ceux qui ne pourront pas se déplacer en raison soit de leur éloignement d'Abidjan ou pour des raisons quelconques, à s'engager à soutenir une fois que le réseau sera né par leurs ressources, par leurs contacts, par leur engagement au développement du monde qui nous entoure, à soutenir ce réseau afin que ce réseau soit une véritable force de proposition et de changement sur les questions de développement en Afrique et dans le monde. En termes de souvenirs, ce que je peux dire, c'est en ce qui concerne le leadership de l'administration. Il faut dire qu'elle a su associer esprit de famille et rigueur au travail, ce qui permet de créer un environnement qui est favorable pour le développement de l'expertise. Et aujourd'hui, c'est une chance pour nous d'être associés à cette œuvre-là qui, j'en suis convaincu, atteindra le niveau panafricain et même, pourquoi pas, au-delà. Alors, c'est une occasion pour nous d'apporter notre pierre, n'est-ce pas? Alors, l'INSEA pour moi, c'est beaucoup en tout cas. C'est beaucoup notamment parce que c'est ici que j'ai rencontré mon épouse, Clotilde Kwame, dont on est de la même promotion.